Bonjour à tous. Aujourd'hui, dans la science des jeux, on va s'intéresser aux personnages derrière toutes les créations farfelues ou extraordinaires dans le jeu vidéo. Le savant fou. D'où vient son mythe? Pourquoi est-il surreprésenté? Et que nous dit-il de l'image de la science? On va voir ça tout de suite. Définissons l'archétype ensemble, car oui, il s'agit bien de là d'un archétype de personnage. Bien sûr qu'il existe ailleurs que dans le jeu vidéo, mais ce média a un langage spécifique, et souvent plus moderne et plus ancré dans notre réalité. On peut trouver plusieurs types de savants fous, et chacun nous explique quelque chose sur la vision de la science. Déjà, parlons un peu de la science. En règle générale, les scientifiques fous possèdent des titres universitaires reconnus, comme professeur ou docteur. Leur science ne vient donc pas de nulle part. La base qu'ils ont peut être acquise théoriquement par n'importe qui dans la diégèse du jeu, c'est-à-dire l'histoire interne pas forcément expliquée dans la narration. Leur folie vient donc supplanter leur savoir rationnel et vient quelque part corrompre leur vision ou leur but. Bon, j'aime pas trop dire ça parce que ça sous-entend que les scientifiques ont une vision pure d'un avenir commun radieux. Mais au-delà des affiliations politiques ou métaphysiques, il y a des règles de morale que la société nous impose comme limites. Et c'est justement ces limites morales que le savant fou va franchir, de différentes manières selon ses affinités, et donc que la société va le qualifier de fou. Comme dit l'adage, le fou est-il fou ou sommes-nous tous fous? Mystère et boule de gomme. Enfin bon, on n'est pas dans 36-15 et on fait pas de citation. La folie de notre savant va pouvoir se manifester de plusieurs manières, comme pour le commun des mortels. On va le résumer de manière ultra sommaire comme ceci. On a les psychopathes, ceux dont le but est clairement de faire souffrir autrui par plaisir sadique. Les dictateurs, ceux dont le but est de dominer le monde par une impulsion antisociale narcissique. Et les transgressifs, ceux qui veulent faire progresser la science ou être célèbres. Oui, il y en a pour qui c'est un but en soi. Sans forcément de volonté de nuire à la base. Quel que soit leur but, la science va être utilisée comme moyen prétexte à leurs ambitions. Pour le coup, qu'ils soient bons ou mauvais, les savants de jeux vidéo qui sont mentalement instables n'ont pas toutes les mêmes capacités. De manière totalement arbitraire, j'ai regroupé certains des savants fous les plus illustres des jeux vidéo sous différentes appellations. Et on va voir que, quelle que soit leur science, les différentes folies se retrouvent partout. On va commencer par ce que j'ai appelé les mécha-lovers. En gros, ce sont tous les savants dont le plan fou intègre en grande part une partie robotique. Cette partie peut être une transformation des êtres vivants d'origine, comme dans American McGee's Alley, où le chapelier fou transforme les créatures de sa tour en automates serviles. Que ce soit Robotnik ou Wily, les antagonistes de Sonic et de Megaman, on a deux scientifiques assez semblables dans leur but. Leurs moyens restent assez similaires, transformer des créatures en robots, ou modifier des robots pour conquérir le monde. Boum ! Une armée sur mesure ! Cette vision folle des robots conquérant le monde organique est une vision très répandue au Japon, que ce soit via les robots comme Astro Boy ou les mechas comme Gundam. D'ailleurs, j'ai fait une petite vidéo très cool sur le sujet, et comme je suis sympa, je te remets le lien. Les savants fous ne manipulent pas tous des armées de robots. En Europe, notre flip commun est la manipulation du vivant sous toutes ses formes. Je l'ai surnommé les biomutants. En gros, ce sont les biologistes, les médecins, les virologues qui ont totalement vrillé pour que la nature serve leurs propos. Ça peut être comme le docteur Birkins qui a créé le virus G de Resident Evil. En tant que virologue, il a pu modeler des virus pour les rendre plus agressifs. Un autre exemple très marquant, ou du moins personnellement, est celui du professeur Ojo. Ojo de Final Fantasy VII est l'archétype de scientifique complètement taré, jusqu'à sa tenue. Il a son habitude sociopathe de sacrifier beaucoup pour la création scientifique, les animaux, son fils, sa planète, enfin bon, à peu près tout. Ojo est tellement archétypal que j'aurais pu le mettre dans l'autre catégorie. Au-delà des compétences communes, on peut en distinguer certains que l'on peut surnommer les sociopathes. Je vais pas trop m'étendre dessus parce que déjà parler de troubles mentaux, je me sens moyen à l'aise, et surtout il y a des chaînes super comme le Psylab ou le Psynec qui font ça beaucoup mieux que moi. On va voir quand même deux exemples bien marquants dans le monde du jeu vidéo, comme le docteur Stanislas Braun de Fallout 3. My name is Stanislas Braun. I'm a Vault-Tec scientist. Qui a créé une simulation pour satisfaire son plaisir sadique. Il prend alors une forme de petite fille et vous oblige à commettre des actes plus ou moins sympas. On a ici un savant fou quelque peu sadique. Le sadisme n'est pas vraiment un trait exclusif aux développeurs comme Braun. Le deuxième savant sociopathe archétypal reste pour moi le docteur Z Blanco de la série Borderlands. Il aurait perdu son permis médical pour des raisons inconnues. Il est clairement présenté comme un maniaque et un boucher au premier sens du terme, vu qu'il passe une grande partie de son temps à l'infirmerie à découper des cadavres. On l'a vu, la figure du savant fou est très utilisée dans le jeu vidéo. Pourtant, les savants fous sont aussi nombreux que leurs caractéristiques et leurs motivations sont pléthoriques.
Eh ouais, j'utilise le mot pléthorique en pleine vidéo. Qu'est-ce que tu vas faire? Mais d'où vient ce mythe? La science a longtemps été confondue avec de la magie, la divination ou autre mystification. Donc finalement, l'image d'un scientifique, guillemets de rigueur oblige, farfelu a toujours plus ou moins existé. Cependant, on peut remonter à l'image d'Archimède, criant Eureka en sortant de son bain, après avoir compris le principe de base de la physique. Cette image nous renvoie à celle d'un scientifique déconnecté du réel, dont la création ou les découvertes prévalent sur tout le reste. Il faut aussi impérativement parler du symbole du scientifique moderne transgressif, le célèbre docteur Frankenstein. Ce savant qui parvient à créer un monstre vivant à partir de chair morte. Sa créature se vengera après avoir été rejetée par le créateur. Le roman sort dans les années 1820, dans un contexte de découverte scientifique qui explose de toutes parts, avec la découverte de l'électricité et une accélération massive des connaissances. À travers la figure du monstre et du docteur, c'est bien les dangers de la science débridée qui sont dénoncés. Surtout que le rejet de la créature imprime chez les lecteurs une mauvaise image du savant qui peut basculer du côté obscur de la force. Le capital confiance qu'avaient les scientifiques a complètement volé en éclats quand le monde a compris que de simples atomes pouvaient détruire des villes comme Hiroshima ou Nagasaki. Les crispations d'aujourd'hui restent nombreuses. Les manipulations sur les OGM ou sur l'ADN via la technique du CRISPR-9, l'intelligence artificielle ou le transhumanisme. Le tout n'étant bien sûr pas aidé par certaines figures scientifiques, comme le docteur Canavero, qui souhaite réaliser une transplantation de tête humaine vivante sur un corps d'emprunt. Le tout étant bien sûr à la limite du possible, autant techniquement que moralement, via l'ordre des médecins. Mais malgré ça, il est relayé par de nombreux médias. Au-delà de ce médecin qui cherche manifestement à se faire mousser médiatiquement, on a des scientifiques que l'on pourrait qualifier de savants fous. Et c'est eux qui ont, quelque part, alimenté l'imaginaire des gens d'images de scientifiques déments, et notamment les auteurs de science-fiction. On a ceux qui ont marqué l'histoire par leur découverte, qu'on peut juger a posteriori qu'il aurait mieux fallu qu'ils s'abstiennent, comme John von Neumann ou Edward Teller, les deux plus grands artisans du projet Manhattan, qui a vu naître l'arme atomique. On a des farfelus comme Newton, fondateur de la mécanique classique, était un féru d'alchimie et de sciences occultes, ou Kurt Gödel, un mathématicien du 20e renommé par la théorie d'incomplétude des mathématiques, était paranoïaque et est mort alors qu'il ne mangeait plus que du beurre. Mais on a aussi des personnes dangereuses pour elles-mêmes, comme Alexandre Grothendieck, qui ne voulait pas qu'on l'approche et qui a fini sa vie en isolement, en Ariège, à parler à des plantes. Ou John Ford Nash, qui a été reconnu schizophrène et qui se prenait pour l'empereur de l'Antarctique. Dans les œuvres de fiction, on a la vision d'un savant fou transgressif, psychopathe ou juste despote. Mais ce que rajoute le jeu vidéo, c'est une spécialisation particulière dans les moyens de mettre en œuvre leurs désirs. Mais cette figure du savant fou nous permet de faire la pédagogie vers la science, car comme les assassins, les personnages hors normes nous font rêver. Les savants fous introduisent des notions d'éthique dans la science pour le plus grand nombre, et ça c'est vraiment cool. Si cet épisode t'a plu, je t'invite sincèrement à le partager, à mettre un pouce vers le haut et à me dire quel savant fou t'a plus marqué. Si tu veux soutenir mon travail, j'ai une page YouTube sur laquelle tu peux me soutenir gratuitement en regardant une petite pub. En attendant, je retourne jouer et je vous dis à la prochaine. Ciao !